Nous devons faire très attention dans des sermons qu'on présente. The lesson number one here, my brother, my sister, we have to pay attention in the oath that we take. Because every oath has a consequence. Even when we go to the fetish people, when they ask you to make an oath, even though you are right, those people, they know how to turn it into wrong and to expose you and to give the impression that you were wrong. You need to pay attention when you take an oath, especially when we take an oath out of anger. La leçon numéro un, nous devons faire très attention, ma soeur, mon frère, lorsque nous prenons des serments, des engagements, lorsqu'on jure, disons le mot jurer, lorsqu'on jure, on doit faire très attention. Lorsqu'on jure, on doit vraiment être à 100%, comment on appelle, non coupable. Parce que Dieu dit que si on jure au nom du ciel, lui, il est là au ciel, c'est son bureau, donc il voit tout. Si on jure au nom de la terre, c'est son tapis. Si on jure au nom de notre tête, on va mourir si on n'a pas dit la vérité. Parce qu'on ne sera pas capable de créer même une chevelure. La solution ici, numéro un, nous devons faire très attention lorsque, ma soeur, mon frère, nous jurons. Même quand on va jurer chez les féticheurs, il y a des gens qui disent la vérité. Mais les féticheurs, ils camouflent la vérité et ils envoient des maladies contre ces gens-là pour dire qu'ils ont été victimes. Nous devons faire attention quand on jure, surtout lorsqu'on jure sous l'effet de la colère. Ça, je vous dis la vérité, ça c'est la leçon numéro un de ce rêve. Lorsqu'on jure sous l'effet de la colère, c'est très dangereux. Parce que les esprits regardent, les anges regardent, et les mauvais esprits aussi regardent. Si on est faible, c'est fini. On nous prend par le dos. Parce que quoi? On a déclaré. We need to pay attention, my brother, my sister, to swear. To swear. Especially out of anger. Because the angels, they are watching. Spirits, they are watching. Even the devil is watching. He may take advantage of our swearing, of our oath, to destroy our lives. Lesson number two. Lesson numéro deux. Si par exemple, dans notre cœur, on connaît la vérité, que nous avons fait quelque chose, nous devons le reconnaître. C'est la meilleure solution pour que notre cœur soit libre. Mais si le Saint-Esprit ne dit pas que la personne connaissait la vérité, non, on n'est pas là. Mais on présente seulement des leçons ici. Lesson number two. If we know the truth, better to say the truth, not to lie. I'm not saying that the man of God lies. No, but we are just taking here the advice for ourselves and for everyone. Because the oath is exposed by the Holy Ghost, because it is made in the presence of God. Lorsqu'on jure, le juré là est exposé par le Saint-Esprit, parce que c'est fait en présence du Saint-Esprit. C'est fait en présence du Seigneur. Donc si on est en train de mentir, automatiquement la conséquence va revenir. Donc la solution, c'est de dire la vérité si on est coupable. Si on est coupable, la solution, c'est de dire la vérité. Nous tous, on est concernés. Mais si on n'est pas coupable, on va jurer. Mais si on jure sous l'effet de la colère, les innocents peuvent tomber. Et c'est compliqué, hein? Ça,
c'est vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué. Leçon numéro 3, pour terminer ici. Leçon number 3 to end here. We men. We need to help people, not to put them to the stage of swearing. If, for instance, the woman has done something wrong, man should use wisdom not to push the woman to swear, because she may swear against her life. She may swear against her marriage. She may swear against her children. Let us use wisdom in the way to handle matters with peace. That is the lesson number 3 to end here. La leçon numéro 3 pour terminer ici, ma soeur, mon frère. Nous les hommes et nous les femmes, nous devons utiliser la sagesse, l'esprit de paix, lorsqu'on accuse nos partenaires. Nous devons éviter de pousser nos partenaires à prendre des décisions ou à jurer, parce qu'ils peuvent jurer sous l'effet de la colère contre leur vie, ou contre leur mari, ou contre leur femme, ou contre leurs enfants. C'est très dangereux, surtout un homme de Dieu jurer. C'est très dangereux.